Après, que c'est d'abord quand c'est la réponse. On y va, jouez. Pas de grave, Fred, pas de grave. Mais c'est dire ce qu'il veut, on s'en fout. En direct du stade des Trois Chênes, le FC Belfort s'impose 1-0 face à l'AS Nord Territoire en demi-finale. Donc nous sommes avec Terkan Atasoy, le directeur sportif du FC Belfort. On aimerait savoir les réactions du match. Terkan, c'est à vous. On gagne 1-0, donc très bel scénario pour nous. Donc, Nord Territoire, c'est vraiment une équipe difficile à jouer. Sachant qu'il y a 10 jours, on a fait un très bon résultat ici, 8-1. 10 jours après, c'est très dur de jouer contre une équipe comme ça, donc c'est un match de coupe. Franchement, félicitations à tous nos joueurs. Donc ils ont été vraiment là chercher la victoire, ça s'est joué à rien. Donc 1-0, franchement, félicitations. Donc, c'est historique en même temps pour nous, donc c'est la première fois qu'on est qualifié dans cette coupe en finale. Donc j'espère qu'on ira chercher notre coupe cette année. Et en même temps, on vise le championnat, bien sûr, donc on est bientôt à la porte du LR3. Il nous reste quelques matchs, donc on est sur une série de à peu près d'une 10 victoires, je crois. Et il nous reste quelques matchs encore, et en espérant qu'on fera le doublé, donc la montée en LR3 et la coupe au Stade Bonal. Donc on ne sait pas contre qui encore.
Et donc ce sera vraiment une saison historique pour nous. Donc félicitations à tout le monde, aux joueurs, aux dirigeants, aux supporters. Donc très belle victoire. Voilà. Nous sommes maintenant avec l'entraîneur du FC Belfort. C'est à vous. On aimerait savoir les réactions du match. La réaction du match, c'est un match de coupe. Hein. On gagne 1-0. Ça nous suffit pour aller en finale. Un match de coupe, ça se gagne. Peu importe la manière, on est tombé contre une bonne équipe de notre territoire. On a joué le coup à fond. C'était un peu même très physique même. Mais après, on a essayé de poser le ballon, on marquait 1-0. On va essayer d'aller chercher le premier trophée du club. C'est à vous, monsieur le président. Voilà. On vous laisse la parole. Voilà. Ce soir, je suis très fier de mon équipe. Tout d'abord, je remercie tous les dirigeants et tous les participants, tous les spectateurs qui ont participé à ce match-là. On a gagné tous ensemble. Inch'Allah, on a gagné la finale. Je suis fier de vous tous. Merci et à bientôt. Avec la coupe, bien sûr. Nous sommes maintenant avec le capitaine de l'équipe du FC Belfort, Erjan Djouadar. On aimerait vos réactions de l'après-match. Ok. Bon bah écoutez, tout d'abord merci, bonsoir. Écoutez, match très très compliqué avec une entame très compliquée. C'est une équipe, deux équipes qui voulaient absolument jouer cette finale-là. Et voilà, ça s'est joué sur l'envie, sur un coup de pied arrêté, des actions des deux côtés. Et voilà, un score minime, 1-0, donc qui est en notre faveur. Voilà, tout simplement, on est content, très très content. C'est notre première finale pour le FCB depuis sa création, depuis il me semble 6 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà, on est heureux. Moi, surtout personnellement aussi, 38 ans, je vais finir un match au Bonal. Voilà, je suis vraiment très très content personnellement et aussi pour le groupe justement où on a énormément de jeunes. Qui veulent jouer plus haut, qui ont envie, qui ont la niaque. Et j'espère vraiment qu'on va continuer avec tout ce staff technique qui travaille. Et voilà, donc merci à tous, aux supporters qui ont été très très présents pendant toute la saison, que ce soit en championnat et en coupe. Et on les attend absolument tous, mais tous pour cette finale au Bonal. Venez nous supporter. Merci. Nous sommes avec Bilal Akbulut, joueur du FC Belfort. On aimerait les réactions du match. Bon, les réactions du match. Tout d'abord, on va remercier les supporters présents à ce match. On va remercier toute l'équipe dirigeante, passant par le président, le trésorier, le secrétaire, l'entraîneur, tous ceux qui participent au bien du FC Belfort. Ensuite, les réactions du match, c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est du bonheur d'être en finale. On avait pour un objectif principal de monter en R3 et de jouer la coupe à fond. L'objectif principal est toujours de la monter en R3. Et maintenant qu'on est en finale, on ne va pas faire figuration. Si on part en finale, c'est pour la gagner. Merci.